Salut tout le monde! Les gens dans le live, vous dites dans le chat, ouais, c'est la fin, on est au boss final. On n'est pas tout à fait au boss final, hein. Surtout que je suis pas sûr qu'on ait le niveau de battre le boss final. Bon bah let's go, hein. On va commencer par le Bingo Kai. En vrai, les Guides Démona, c'est le boss final le plus dur de tous les jeux, je pense pas. Mais de Yokai Watch, ouais, de tous les Yokai Watch, je pense que oui. Son niveau, il est quand même grave élevé par rapport aux autres boss finaux. Bref, ouais, Bingo Kai. C'est vrai qu'on était bloqué dans ça. Donc non les amis, pas Bingo Kai maintenant. D'abord on va essayer de sortir d'ici, hein. Un peu d'XP, non? Parce que là on est niveau combien? Ah ouais, niveau 55, c'est pas pour tout de suite les refs, hein. Sur Yokai Watch 2, je peux avoir le Seigneur Enma dans le secret. Non, c'est pas vrai. On peut pas avoir Enma dans Yokai Watch 2, c'est impossible, même en Hakan, hein. Faut que tu sois niveau 60 au moins pour Lady Perpetua. Ouais, peut-être. Enfin, ils ont dit niveau 55, hein. Bon allez, allons récupérer des vies quand même. On fait un peu d'XP ici parce que ça en rapporte pas mal. Mais on va pas non plus passer tout le live ici, donc je pense qu'on va attendre de... on va voir, je vais voir combien je gagne là dans un combat. Alors, on gagne combien? Je vais essayer de les monter rang 32. Dès que tout le monde sera rang 32, on va par... enfin niveau 32, après on va partir parce que ouais, on reste pas à l'infini ici quand même, mais bon. Lady Démona est l'un des boss les plus techniques car elle ne fait qu'envoûter ou baisser les stats par rapport à d'autres qui font que bastonner. C'est vrai, Danior, c'est exactement pour ça qu'elle est si relou. Oh, je crois que je viens d'avoir une idée de génie. En plus, tu ressembles assez à un génie de conte de fées. Dis-nous tout. Mon instinct de yokai me dit qu'on devrait se rendre au centre associatif. Quelle chance d'avoir un valet au sens bien aiguisé. Au centre associatif. Ok, d'accord. Pourquoi ils m'ont sorti de mon vélo, là? Mon intuition de valet s'active. Quelque chose de bizarre se passe ici. Comme je m'en doutais, je pourrais m'envoyer des fleurs. Un valet au top. Utilise ta loupe yokai dans le coin, Kirbendo. C'est fermé. De quoi? Attendez, fallait bien aller au centre associatif, non? Ah, ok, d'accord, non, peut-être pas le centre associatif, mais à côté, quoi. Ok. Oh, mince, ils vont me demander qui, là. Miroir triptyque, faire mon voyage à travers le temps, remonte. Je me demande qui c'est, les gens, hein. En plus, c'est probablement un yokai qu'on n'a pas. Je pense que c'est terminé, hein. Bon, par contre, ça s'écrit comment, en vrai? Il y a des tirés, il y a des espaces. J'espère que non. Bah sinon après j'irai vérifier dans le truc, mais mon trip tic et tac. Oh, tic et tac, c'est un dessin animé ça, non? Ah, il y a un tiré. Mince. Ah d'accord, ok. Et comment on fait si on n'a pas l'yokai là? De toute façon on peut pas les changer, je crois, en plus. On est obligé de l'avoir jusqu'à la fin du jeu. Aujourd'hui, demain, hier, je remonte le temps. Merci de m'avoir appelé. J'ai proposé à un ami de me rejoindre, mais je ne sais pas quand il arrivera. Tu peux désormais aller dans le vieux Grand Val. Où est-ce que vous étiez passé? Lady Perpetua nous a envoyé dans le futur de Grand Val. C'est un cauchemar! Si le nuage Perpetua se répand, les yokai perfides nous en vont tous! Ce nuage maudit est une source de malheur pour nous tous! J'ai une question. Comment fait-on pour se battre contre un nuage? Attendez, des yokai en ville m'ont parlé d'une sorte d'étrange fumée. Ils auraient repéré plusieurs sources juste avant que la météo ne change. Une étrange fumée, c'est sans doute lié au nuage Perpetua. Sais-tu d'où elle vient, Vernian? Il semblerait qu'elle vienne de trois lieux différents. Le lac des Coloquintes, la clinique du crépuscule et l'école élémentaire. On n'a plus de temps à perdre. Il faut mettre fin au chaos de Lady Perpetua. Nathaniel, que c'est fatigant de toujours lui courir après. Bah lui, il court pas, il vole. Je vais prévenir les autres. Rends-toi à ces trois endroits et arrête la fumée. Enfin, il plane. Puis en plus, il se téléporte, donc c'est encore mieux. Que la chasse à la fumée commence, Kirbendo. En temps normal, c'est le genre d'activité qui m'ennuierait. Mais ok. Pourquoi on n'a pas remonté le temps pour battre Perpetua quand elle n'était pas encore puissante? J'avoue mes babox. Parce que c'est Triptic Tac qui a décidé où on allait, et Triptic Tac il avait pas l'air très... Donc là il nous emmène où si on lui parle? À mon époque? Comment ça à mon époque? À mon époque dans le futur, donc pas mon époque ou mon époque? Bah c'est pas mon époque ça, hein. Ah mais en fait c'est pas le futur alors ça. C'est le présent, mais modifié. Hein? Ah ouais, je peux aller à ce Mont Sylvestre? Voilà, le monde est en train d'être détruit, moi je vais chill au Bingo Kai. Allez, est-ce que je vais l'avoir? Oui, c'est la bonne couleur, non? What? Oh non, punaise, aimé. Mais j'ai déjà ce gros tas, c'est quoi cette histoire? Bon, alors. Ah, mais j'avais commencé à jouer ça. Quoi? C'est Samaga le prochain? C'est un yokai Samaga? Je connais pas. Oh, bah ça commence déjà très mal. Ok, ça commence vraiment très mal, c'est le plus nul en fait. Allez. Samaga, je connais pas ce yokai, hein.
J'avais vu la sonde d'alerte. Mais putnaise! Non mais c'est une blague. En plus on a même pas eu d'X-Porp, genre rien d'intéressant aujourd'hui. On a eu un yokai que j'avais déjà. Super. Oh, ah mince. Je vais peut-être soigner quand même Driss avant. Hihi, je suis Fielipine, j'espère que tu es prêt, car tu vas souffrir. Une seconde, j'ai pour principe de ne pas attaquer les femmes. Ah oui? Est-ce vraiment par principe, ou juste parce que tu as peur? Moi, peur, je ne crois pas. Tu es un yokai crapaud, et moi un yokai serpent perfide. Les deux ne font pas bon ménage, je pense que tu crains ton ennemi naturel. Vu sous cet angle, j'en déduis que l'affrontement est inévitable. Ne crains rien, ta défaite sera rapide et sans douleur. Oh, je ne suis pas inquiète. Les serpents aiment jouer avec leur proie. Et donc, Krapop, Kirbendo, en avant! Ok, c'est parti. Il fait le gentleman Krapop, oui. C'est juste qu'il sait qu'il est trop nul pour l'abattre. Tu croyais que Krapop était une meuf? Ah, moi non. Mais Fielipine, je crois que c'est pas une meuf. Hein. Je suis sûr qu'en japonais, je le dis à chaque fois, hein, mais faudrait regarder vraiment la version japonaise, mais je suis sûr qu'en japonais, c'est un mec. Mais super efféminé, ils aiment trop ça les japonais. Enfin non, ils aiment pas ça en vrai, ils détestent ça en vrai. Mais ils aiment trop mettre ça dans les mangas et les jeux. Parce que ça les fait rire, j'imagine. Tiens, réponds à ma question, vas-tu faire un esprit Kingdom Hearts? Non, c'est pas prévu. Kirb, j'ai capté Krapop, c'est Sanji en fait. Sanji, genre de One Piece. J'ai pas vu One Piece, donc je sais pas. Ah, parce qu'il est comme ça avec les femmes, j'en sais rien. Non, elle est trans. Ça, Fielipine, en japonais, je sais pas. Je sais pas. C'est possible, j'en sais rien. Enfin, genre, j'ai pas vu... J'ai pas vu la version japonaise. Fielipine, c'est féminin. Oui, Fielipine, c'est féminin. Mais ça veut rien dire. Il y a énormément... Enfin, je sais, je le dis à chaque fois, mais je le répète. Il y a énormément de mangas ou de jeux vidéo où en japonais, eh ben, ils font en sorte que, genre, au final, eh ben, ce soit un mec vraiment efféminé. Souvent des méchants, d'ailleurs. Souvent des méchants. C'est des mecs super efféminés. Et quand le manga ou le jeu vidéo arrive en France, eh ben, genre, en fait, les Français, surtout quand c'est des trucs pour les enfants, ils censurent. Et donc, en gros, eh ben, ils font en sorte que, genre, non, ben, ils remplacent... Attendez, mais je vais mourir, là. Ah, mais c'est super nul, ça. Donc, ils remplacent au niveau de la traduction en mode non, 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 mais c'est une vraie meuf, hein, c'est pas une trans, quoi, c'est grave transphobe, mais c'est courant qu'ils fassent ça en vrai. On va ramener lui. Vas-y. J'ai vraiment pas le niveau, hein, c'est ouf. Hein. Dis des exemples, Sailor Moon. Sailor Moon dans la saison des rêves, je sais plus laquelle c'est, celle avec le chapiteau. C'est ma préférée, c'est la 4, je crois. Et ben, il y a justement un groupe de 3 méchants. Et Œil de Poisson, c'est d'ailleurs son nom, cette méchante, enfin ce méchant. En japonais, c'est un mec, mais c'est un mec grave efféminé, qui est d'ailleurs doublé par une meuf, et qui passe son temps d'ailleurs à tomber amoureux de mecs, et à draguer des mecs, etc., et à parler comme ça, etc., etc. Et quand ils ont sorti donc la version française, le doublage français de la série à l'époque, et ben, ils ont dit que c'était une meuf. Voilà. Alors que normalement c'était un trio de 3 frères, mais en français ils ont dit que c'était une meuf. Sailor Moon, c'est pas la première fois qu'il le fait, il y a aussi un couple de meufs lesbiennes dans Sailor Moon. Des Sailor d'ailleurs, deux Sailor Senshi. Sailor... Mercure. Non, pas Mercure. Sailor... C'est les Outer Senshi, donc c'est leur Uranus et c'est leur Neptune, Neptune et Uranus. Et en fait, donc toutes les deux, elles sont en couple, c'est deux meufs. Et d'ailleurs, pour être des Sailor, c'est des meufs, il y a pas de Sailor mec. Et en fait, et bah, genre, comme il y en a une, elle est très androgyne, genre elle est très plate, elle a pas beaucoup de seins, elle est pilote de Formule 1, etc., connue, etc. Et ben dans la série, en français, ils ont traduit en faisant en sorte que ben la blonde, en final, ben, je vais mourir, hein, c'est horrible. J'aurais dû utiliser Amulting, peut-être. Mais... Faut que je recommence le combat, hein. Bon, bref. Et donc, ils ont fait en sorte que, genre, bah, c'était un mec. Et que c'était un couple d'un mec et une meuf, quoi. Mais ma team, elle est trop pourrie, hein. T'as joué à Wind Waker HD? Bah oui, en vidéo, même. En vrai, on peut le battre, je pense, hein. Mais qu'est-ce qu'on a comme... comme maléfice, là? Ah. S'il arrive... Si elle arrive à tirer, je suis mort, je pense. Attendez... Bref, donc oui, des exemples comme ça, il y en a plein. Bah, il y a aussi un exemple que vous connaissez beaucoup, Birdo. Birdo, il y a plein d'exemples où, genre, ils disent dans les jeux Mario et tout, même dans les manuels, que genre, par exemple, c'est une meuf.
Enfin, c'est une meuf, mais genre, en effaçant le fait que soit une meuf trans, ou des fois le fait que c'est un mec, etc. Enfin, genre, les Japonais, ils aiment bien faire des trucs un peu en jouant sur les genres des persos. Et après, en français, enfin, en occident, ils aiment bien censurer, parce que genre, ils disent ça va choquer le public jeune. Ne te réjouis pas trop de ta victoire contre moi. Ah, une mauvaise perdante, c'est pathétique. Vous ne saisissez pas l'étendue des terribles pouvoirs de Lady Perpetua. Hihi, j'ai hâte de voir vos têtes juste avant qu'elles ne vous anéantissent. Il était horrible ce combat, c'est ouf. Elle ne s'arrête jamais, dis donc. Occupons-nous de cette satanée machine cracheuse de fumée. Adieu la fumée, Niaou. Bien joué, Krapop. Aucun problème, c'était presque amusant. Très bien, on continue. Compte sur moi. Il n'y a plus de temps à perdre. Ok, par contre, faut littéralement se soigner, là, c'est obligé. Bon, allons battre celui qui est à droite. Mais en vrai, mes niveaux, quoi... Pff. En fait, c'est que mes soigneurs, ils sont nuls, hein. Attendez, où sont... Vas-y, l'Algérien. Il faut 35, ok. Ça donne 8000, on va lui redonner. Parce que lui, c'est un peu la pièce maîtresse, quand même, de notre équipe. C'est le meilleur soigneur qu'on ait, donc... c'est celui, s'il tombe, genre, on a perdu, quoi. On peut le passer niveau 36, ça sert à rien, il va passer au prochain niveau. Toi. Ah, c'est tout. Prends pour augmenter sa technique aussi. Ah ouais, d'accord, ok. Nickel. Les âmes ultimes, je les utilise jamais aussi, donc... Vas-y, Driss. Ok, comme ça, on a deux persos qui sont vraiment forts dans notre équipe. On va voir. Mais ça s'annonce chaud tout ça, hein. Ça s'annonce chaud. Je suis Sirustre, le plus puissant des yokai perfides. Arg, impétueux et pas très malin, le pire du pire à mon goût. Quelle tête d'œuf, je protège cette zone au nom de Lady Perpetua. C'est un emplacement stratégique, hein. Je vais donc le récupérer. Pas si vite, nous les yokai perfides allons envahir la ville, tu es impuissant. Tu as tout faux, d'habitude je reste à l'écart, mais je n'aime pas ton attitude. Et puis je crois que j'aime bien cette ville, je ne te laisserai pas la détruire. Nous devons ramener la paix sur Grand Val, Kirlendo. Cela signifie que nous devons joindre nos forces. D'accord. Oh, ça va chauffer. Ouais, sauf que QB va pas du tout nous aider en combat. Super. Utilisons des âmes ultimes, contrairement à tout à l'heure. Le combat va peut-être se passer un peu mieux. J'étais pas du tout concentré, en fait. J'étais concentré sur le chat. Tu fais tous les lundis Skyward Sword. Je ferai même plusieurs fois par semaine, je crois, Arthur. J'ai pas encore fait le planning. Je le mets dimanche. Mais en fait, je suis en train de me dire que je vais peut-être pas le faire lundi soir, mais peut-être plutôt dans l'après-midi. Comme ça, ça me permettrait peut-être de faire toujours des petits lives comme ça, tranquille, le soir. Mais ouais, vu que c'est les vacances, je pourrais peut-être le faire deux ou trois fois par semaine l'après-midi. Donc je vais voir le planning. Là, je sortirai dimanche. Si je fais un live lundi après-midi, que vous puissiez être au courant, quoi. Attends. Alors là, par contre, ça s'est passé très très bien. Ouh, ça fait mal, par contre. Pour Nanoko, vas-y. Et ce soit lui-même. Super. Vas-y. Ah ouais, mais j'aurai plus d'âme ultime pour le prochain général perfide que je vais battre là. Ah, ça va pas du tout ça. Il est trop bizarre, Sirustre. Parce qu'il a l'air gros, genre il a des épaules larges, mais en fait il a l'air mince en fait quand on le regarde comme ça. Il est bizarre, hein, il est formé bizarrement. Oh bah voilà. Ça a été tranquille. Ah, il est dit pas bêtuage, j'ai échoué. Pardon, votre grandeur, si chevelu. Si chevelu. Ok. L'étrange fumée dont Vernian parlait semble venir de cette machine. On fait quoi maintenant? Voyons voir. La présence d'un yokai puissant tel que Cyrus reprouve son importance. Je crois que c'est évident qu'il faut l'arrêter. Vas-y, tape. GG QB, GG. Ouais, c'est vrai que QB, yokai de feu. Il est de quoi alors, Octorgon? Genre glace? Ah non, ténèbres, non? Il a vortex, non? Je sais plus. Ah, je sais pas si vous savez, mais il y a un nouveau jeu Yokai Watch qui a été annoncé. Il y a eu un Yokai Watch Direct qui a été diffusé il y a quelques semaines, je crois. Déjà, c'est pas un nouveau truc. Enfin, on peut presque dire que c'est un nouveau truc parce que ça fait combien de temps que ça a été annoncé sans nouvelles? Ça fait genre 6 ans, non? C'est le remake de Yokai Watch 1 qui était sorti sur Switch. Bah, il est sorti sur smartphone. Voilà. C'est marrant parce que les gens comme moi, je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans le même cas, mais on l'a, enfin, on est quelques-uns à l'avoir acheté sur Switch. 40€, je crois, écoutez. Et là, il vient de sortir, c'est le même jeu, hein. Même un peu plus joli, parce que certains téléphones portables sont plus puissants que la Switch. Et bah, il est sorti sur Switch, là, il coûte 9€. Donc genre, j'ai payé 31€ de plus que le jeu sur mobile. Super, super. Nia, voilà qui est efficace. Merci, Kyubi.
Hein, je ne reviens pas de recevoir la gratitude d'un jeune humain. Qu'importe, nous avons d'autres yokai perfides à éliminer. Kyubi a raison, il est grincheux, mais il a raison. En route! Oh oh, le nuage Perpetua se répand vite. À moi de jouer, Modico. Tu portes bien ton nom, je trouve. Oh oh, tu fais de l'esprit, dis-moi. Tu aurais été un sujet d'expérience parfait. J'ai beaucoup testé l'efficacité de la fumée sur les yokai et les humains. C'est l'heure d'en finir. À toi de jouer, Carmendo! Avec plaisir. À quoi bon te battre? Cette fumée vous en voûtera tous, c'est écrit! Je ne comprends pas pourquoi tu résistes autant. Sois maudit! Ouais, c'est écrit ou sur son cul. Alors, dans tous les cas, cette fois, on va pas faire l'erreur qu'on avait fait aussi pour le premier des généraux. On va utiliser plein d'âmes ultimes. Non, puis en plus, il est envoûté dès le début du combat. Eh, mais attendez, mais s'il est envoûté, c'est vrai que j'avais oublié ça. Mais, taquinage! C'est où les dégâts? Ah, c'est là les dégâts. Vas-y, 203 points de dégâts. Bon, ça va, c'est quand même pas mal, non? Ah ouais, et non mais c'est cool hein. Vas-y. Octordon, c'est comme les gens qui ont pas de masque, il a une écharpe sur sa bouche. Ouais, d'accord. Ok. Oh yes! Double XP contre un boss, bon j'aurais préféré triple XP, mais double XP c'est déjà pas mal. Ok, bon il y a que lui qui augmente de niveau, mais bon. Bon. C'est impossible, je vous condamne! Bye! Je pense qu'il voulait dire, je vous maudis. Bref. Ah! Let's go! La fumée s'est arrêtée. C'était génial, Octorgon. Ne gâchons pas notre temps à se féliciter. Il nous reste encore Lady Perpetua à vaincre. C'est vrai. Continuons. Bien joué, Carreno. Le nuage devrait arrêter de se propager. Ah! Que se passe-t-il, Whisper? Ce n'est pas bon, pas bon du tout! Du tout! Ah, on va quand même devoir battre la... Je sais pas. Je détecte une force extrêmement puissante au sud de la ville. Plus puissante que les yokai perfides d'élite? Est-ce Lady Perpetua? Il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir. Ouais, je pense qu'on va être obligé de la battre quand même parce que la fumée elle part pas. Hein. Il y a une personne qui augmente bientôt de niveau donc j'ai quand même voulu faire ce combat. En plus j'ai perdu quasiment aucun dégât contre le vieux, c'est cool. Il s'appelle comment le vieux, je sais plus. Non, je sais plus. Je sais pas comment ça se fait que Nathan n'est pas envoûté par le nuage Perpetua. Alors, ça je sais pas. C'est parce qu'il a une Yuka Wash peut-être? Je sais pas. Modico le vieux. C'était Modico le vieux? C'était pas celui avec des pics sur la tête? C'était comment le celui avec des pics alors? Bon ok, il s'est augmenté de niveau. Eh mais tout le monde n'est pas niveau 34, 35 quand même hein. Genre, il y a toujours. Faux Kappa qui l'est pas. Faux Kappa qui est un vrai Kappa, hein, le truc qu'on ne comprendra toujours jamais. C'est elle? Oh! Mais par contre, j'ai dépensé beaucoup d'argent la dernière fois, non? Oh. C'est des pommes d'amour que t'avais achetées. S'en fout, on va regagner bientôt beaucoup d'argent, donc allez, on en achète 20. Bon, allez! Souhaitez-moi bonne chance. Normalement, la première Lady Perpetua. Il y en a qu'une seule en fait. Il y a Lady Perpetua et Lady Demona. Lady Perpetua, il me semble qu'elle est pas si difficile. Je crois que c'est possible. Il me semble même que je l'avais peut-être fait du premier coup, d'ailleurs. Bah, Lady Demona aussi, je l'ai fait du premier coup. Mais j'ai galéré, hein. Je crois, hein. Je sais pas, faudrait regarder mes vidéos, mais je crois que je les ai toutes les deux battues du premier coup. Mais il y en a une que j'ai battue facilement et l'autre, pas trop, quand même. Quoi? C'est fermé. Faut passer par un des côtés, je crois, non? Ah non, faut aller par là, à droite. Ah, c'est pas lui qu'il faut parler, c'est vrai. Ah, mais c'est pas encore le boss. Ah, mais ok, d'accord, donc la fumée va peut-être disparaître. Yes. Lady Demona en deuxième coup, ok. Mais Lady Perpetua, bien premier coup, non? Je crois. Parce que j'ai vraiment pas un mauvais souvenir de Lady Perpetua. Je crois qu'elle était pas difficile. Un peu tendue peut-être par moment, mais ça va. Mais Lady Demona, j'ai quand même souvenir que c'était chaud. Incroyable, le général Arachnus qui s'abaisse à m'affronter. Moi? Épargne-moi tes sarcasmes, tu joues au dur, mais tu vas vite déchanter. Je suis Ronéan, le meilleur, la crème de la crème, la cerise sur le gâteau. Mon plan est presque arrivé à son terme. Il semble vraiment puissant, Carbendo. Prudence! Je ne suis pas inquiet. Quelle confidence, une confiance que je vais me faire un plaisir de détruire. Pourquoi t'achètes pas la OLED? Je croyais que t'étais un pigeon. Elle me sert à rien, la OLED. Enfin, genre, je comprends pas pourquoi je l'achèterais, en fait. Enfin, genre, ça me dit rien du tout. Même en tant que pièce de collection, ça me... Non, j'ai pas envie de me précipiter pour l'acheter, vraiment. Puis j'avais envie d'acheter la nouvelle console de Steam, mais tout à l'heure ça marchait pas. Ah, je vais aller voir si maintenant ça marche. Attendez, pendant que les âmes ultimes se déclenchent. Parce que tout à l'heure ça marchait pas, les serveurs étaient saturés, super. Le Hara des anciens, ça veut dire quoi, Hara? Bon, vous surveillez le combat, hein. Vous me dites s'il y a un problème. Ah bah non, d'accord, les serveurs sont encore saturés, super. Tu as vu la nouvelle Switch? Oui, j'ai vu, on en parlait justement il y a 2 secondes, là. Bon, allez, il est presque mort, là, Ronéan. Lui, il fait quoi, déjà? Je crois qu'un truc nul, mais bon. Oh, mince. Oh, mince. J'aurais pas le temps. Si, j'aurais peut-être le temps.
La Switch normale que la OLED, elle a quoi de plus? Elle a un dock avec une prise Ethernet dedans et elle a un écran qui est 0,8 enfin qui est 0,8 pouces plus grand. Donc payer 50 euros plus cher pour ça quand on a déjà une nouvelle, enfin une ancienne, je vois pas l'intérêt quoi. Pardonnez-moi vite, pourquoi pardonnez-moi vite? Pardonnez-moi votre grandeur vieillissante, j'ai échoué. Bye. Renéant, ta dévotion est louable, mais utilisée à mauvais escient. J'espère que c'était la dernière machine à fumer. Quoi qu'il en soit, la fumée a terminé. D'enfumer cet endroit. C'est un petit blagueur, Agnus. Quel joli revers, cela devrait régler son compte à cet horrible nuage. Grandval va pouvoir revenir à la normale, niaou. Oui. Oui, oui. C'est bon. Rien n'a l'air d'avoir changé pourtant. Bah si. Il n'y a plus de fumée autour là de l'écran. Allô. Que faire? Quoi? Oh, te voilà. Écoute, Nathaniel a trouvé la cachette de Lady Perpetua. Vraiment? Oui. Elle se trouve au sud de la ville, au fourneau du Perpétuel. Il n'y a plus le fourneau du Perpétuel dans le présent? Au fourneau du Perpétuel. Pas la peine de répéter, hein. Il y a de l'écho ici ou quoi? Pourquoi as-tu répété chaque deux fois? C'est juste que j'aime bien faire des annonces dramatiques, tu vois? Ah, ok. Gênant. Je te comprends. Filons au fourneau du Perpétuel, Kirvendo. Oh, sans blague. Bon, bah non. On va pas filer au fond... Bah non, il y a toujours la fumée. Ah bah non. Bah si. Ah. Relou.